Aujourd'hui, mardi, le quartier général du commandement général des forces armées royales dans la capitale, Rabat, a organisé une réception pour le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Avi Kohavi, qui a été reçu par le général de corps d'armée Al-Farouk Belker. Les deux chefs militaires ont eu des entretiens bilatéraux consacrés à l'examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les armées de deux pays, en particulier dans l'aspect lié à la formation sur le terrain et aux industries militaires. Lundi soir, le commandant militaire israélien est arrivé dans la capitale, Rabat, pour sa première visite officielle dans un pays arabe, qui devrait durer 3 jours.